Demain, tu entres à l'école. T'es une grande fille, t'as plus besoin de tes jouets. Bienvenue à l'école. Il est maintenant impératif pour vous de commencer à apprendre les règles qui régissent notre ville. Respectez-les et appliquez-les rigoureusement. Travaillez avec effort, méthode, ordre et discipline pour réussir vos études. L'éducation est un investissement pour votre avenir et celui de la ville. Ne nous faites donc pas perdre de temps. Je vous laisse entre les mains de celui qui vous enseignera tout ce que vous avez à savoir. Merci. Le titre de la première leçon est « Règles de vie de la ville », chapitre 1. Voici la première règle. Respectez l'ordre individuel ou social et s'opposez à toute forme de subversion. Cette règle est inscrite sur la deuxième page de votre cahier. Recopiez-la sur la totalité de la page. Que les choses soient bien claires. Vous n'êtes plus des enfants. Le premier que je surprends à faire quoi que ce soit qui n'ait aucun rapport avec le cours ira directement dans le bureau du proviseur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as ? À l'école, personne ne veut jouer avec moi. On n'a qu'à jouer à notre jeu. Si tu veux, je commence. Il était une fois une famille de taupes. Un jour, une grosse pierre tomba sur eux. Ils furent tous blessés, sauf un. Alors, il partit pour essayer de trouver quelque chose pour tous les sauver. Et sur son chemin, il vit... un poussin. La taupe lui demanda comment les soigner. Le poussin lui répondit : je ne sais pas, mais si tu veux les soigner, il faut passer par la forêt des maléfices. Après, tu trouveras le sorcier. Tiens, je te donne 3 petites graines. Quand tu seras en danger, tu lanceras une graine et tu diras : aide-moi, petite graine, aide-moi. Est-ce que tu as fini tes devoirs ? Non, je voulais finir de dessiner ma forêt avant. Quelle forêt ? Cette forêt, elle a de longues branches bleues. Il manque juste le nid des fées. Il vaut mieux que tu le finisses après avoir fait tes devoirs.
pour ton bien qu'il me demande de faire ça. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Montre-moi ton cahier. Montre-moi ton cahier. Tourne les pages. Donne-moi tes crayons de couleur. Tu devrais t'en être séparé depuis longtemps par toi-même. À quoi bon les garder? Bientôt, tu ne sauras plus quoi en faire. Cet ami que tu passes ton temps à dessiner n'existe pas. Pour réussir ton année, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'être concentré en cours. Reviens. S'il te plaît. Reviens. Reviens. Tu verras, tout ira mieux maintenant. Ils vont te laisser tranquille. Tu sembles avoir fait de grands progrès. Tu ne parles plus à ton ami, n'est-ce pas? Oui. Tu ne le vois plus non plus? Oui. Que dessines-tu alors? Le monde qui m'entoure. Je vous ai apporté des dessins de ma fille que j'ai retrouvés. Ce sont les derniers. Promettez-moi que vous la laisserez maintenant. Ces dessins sont colorés. Comment est-ce possible? Ce sont d'anciens dessins qu'elle avait faits. Vous en êtes sûr?
Oui. Pourtant, la couleur semble différente. Laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Nous la laisserons tranquille si elle montre qu'elle a compris comment vivre dans notre ville. Et la seule façon d'y arriver est de respecter nos règles. Elle les respectera. Comment s'en sort la petite taupe une fois qu'elle a utilisé toutes ses graines? Elle réussit à trouver le remède du sorcier et à sauver sa famille grâce à son courage.